Amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission artistique Toile de fond. Nous voici dans l'atelier du peintre Jean-Claude Bessac à Quatre-Bornes. Il nous fait l'amitié de nous recevoir dans son atelier pour nous expliquer une expérience artistique et professionnelle sortant quand même de l'ordinaire. Donc sans plus tarder, faisons connaissance avec Jean-Claude Bessac. Alors là, c'est chez vous. C'est là que vous vous sentez le plus à l'aise. Racontez-nous un peu comment se passent vos journées en compagnie de vos pinceaux, de vos pots de peinture, de vos toiles. Eh bien oui, c'est là que tout se passe et c'est également là où je fais de l'expérimentation. C'est-à-dire que deux jours de la semaine, je consacre à l'expérimentation. Et si tu comprends par expérimentation? C'est-à-dire faire avancer ma peinture pour qu'elle ne soit pas stagnante, pour qu'elle ne reste pas... Tu vas plus loin. Je vais plus loin. Je cherche des ouvertures pour faire avancer. Et je vais explorer l'avenue, alors que par habitude, on explore le centre-ville. Moi, je vais explorer l'avenue. Parce que dans l'avenue, je retire des satisfactions ou des images qui sont beaucoup plus prenantes. Et ça donne quel résultat, ces explorations? Mais ça donne des résultats étonnants. Je cite un exemple simple. Je prends ma voiture, je vais dans un village. Je vois une petite maison avec une porte. Et je me demande qui habite là. Pourquoi avoir une maison avec une porte? Il y a probablement des gens qui n'ont pas les moyens, qui habitent dans une petite maison. Et ça va rester dans mon subconscient. Et quand je me trouve devant ma toile, eh bien, parfois, pas toujours, ça me revient. Et je fais un tableau rien qu'avec des petites maisons avec une porte. Parce que pour moi, c'est une chose qui est frappante et je suis certain que ça frappe l'imagination de pas mal de gens. Ça t'arrive par exemple d'inventer ce qui se passe derrière cette porte, le quotidien de cette famille que tu ne connais pas du tout et que tu ne connaîtras jamais? Toujours, parce que c'est là où l'imagination, qui en fin de compte est un muscle du cerveau, c'est là que le plus on demande à l'imagination, le plus il nous donne finalement. Oui, c'est ça. Et puis là j'y mets de moi-même. J'y mets de moi-même, de mon travail personnel, de ma manière d'interpréter les choses. J'interprète à ma façon et j'espère accrocher l'imagination des gens. Qui viennent voir mes tableaux. Dans mon atelier, j'aime bien avoir des gens qui viennent, est ouverte, hein, est ouverte au public, est ouverte à tout le monde, n'importe qui peut visiter, parce que je considère que l'artiste, c'est un personnage public, de toutes les façons. Et il doit ça au public, il doit ça au public. Et aussi, les jeunes qui viennent ici, qui viennent travailler avec moi, il y a surtout un jeune artiste qui a énormément de talent, qui est un artiste établi, qui a un style, qui est un graphiste et qui fait de très belles choses. Et je crois que dans l'avenir, on parlera de lui. Son nom, c'est Julien Stiley, qui est de mère mauricienne et de père suisse. Mais il a un talent, un très beau talent. Et moi, je dis et je redis aux jeunes artistes mauriciens, qu'il y a moyen de gagner sa vie à Maurice, il y a moyen de faire d'argent avec sa peinture et il y a moyen de vivre de sa peinture. Ça, c'est un beau message d'espérance. C'est sûr, mais seulement, il est évident que c'est le travail, encore au travail et le travail. Comme disait Picasso, c'est 99% de travail et 1% de talent et d'inspiration. Ayant dit ceci, Yvan, je voudrais faire une petite parenthèse sur cette chose qui m'est arrivée il y a quelque temps. C'est une commande de 40 pastels pour un hôtel. C'est pas évident d'avoir une commande de 40 pastels pour un hôtel. C'est effrayant. Jean-Claude, si tu veux bien, nous allons à présent faire la tournée des chambres qui sont maintenant décorés et illuminés par des peintures. Il y a à peu près un an, peut-être un peu plus, j'ai été approché par l'hôtel Axana pour produire
des pastels relatifs à la vie mauricienne. Et ces pastels qui devaient être mis dans les suites à deux exemplaires par suite. Alors j'ai travaillé d'arrache-pied pendant 2 ou 3 mois pour mettre en œuvre cette commande. Chaque suite a deux exemplaires de ces pastels. Ce qui me ramène à dire une chose très importante. Je m'efface de l'image et je vois la vision. La vision est celle-ci. Qu'un hôtel ait-tu la vision d'investir chez l'artiste local, je trouve que c'est super, c'est une leçon à retirer des données, parce que c'est une leçon qui peut servir aux décorateurs qui ont pour habitude d'aller à l'étranger chercher des travaux bon marché pour mettre sur leur mur. Vraiment, c'est une ouverture pour les jeunes Mauriciens qui puissent commencer à avoir foi dans l'hôtellerie mauricienne et se dire que l'on peut participer à ce développement de l'île Maurice à travers l'image, monsieur. C'est à travers l'image que l'on participe. Le monde est fait d'images. Ce que vous voyez là, c'est des originaux, ce ne sont pas des reproductions. Quand j'ai travaillé 40 pastels pour cet hôtel, il est évident quand on commence à travailler dans un contexte de commande, il y a des difficultés pour commencer, pour trouver son rythme. Mais après 1, 2 tableaux, on trouve le rythme. Et aussitôt qu'on trouve le rythme, c'est l'imagination qui nous donne les résultats. On fait appel à l'imagination. Et comme l'imagination, c'est un muscle du cerveau, elle vous donne. Alors, ce qui fait que moi, ces tableaux viennent de mon imaginaire, ne viennent pas du peintre à chevalet qui va aller s'asseoir devant la montagne des signaux et peindre la montagne des signaux exactement comme elle est. Il va compter le nombre de maisons pour bien voir qu'il y a autant de maisons, etc. Non, ce n'est pas du tout mon cas. Mon cas, c'est d'essayer de laisser mon imaginaire me fournir l'objectif qui va s'installer dans le tableau. Et c'est un dialogue entre la couleur, la forme et l'artiste. Lorsque le dialogue vient de la couleur ou de la forme et qu'elle s'impose à l'artiste, on baisse les mains, on laisse faire. Et c'est seulement la main qui travaille, parce que cet apport de l'imaginaire, c'est ça qui nous donne la possibilité de créer quelque chose. Et mon métier, c'est un métier de création. Et c'est par la création que je fais ce genre de tableau fourni par l'imaginaire. Là, tu t'es mis un peu dans la peau du touriste qui va loger dans ses chambres. Oui, tout à fait. Il y a toujours une partie de moi qui prend en considération le regardeur, celui qui regarde la toile, parce que c'est très important. Quoi qu'on essaye d'innover dans ce qu'on fait et faire avancer le travail, mais il faut aussi prendre en considération les gens qui vont être les juges de notre travail. Dans le monde, lorsqu'on se souvient de quelqu'un, de quelque part, d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans, on ne parle pas de comptable, on ne parle pas de financier, ce sont les artistes, on se rappelle de l'artiste. On parle de Picasso, on parle de Modigliani, on parle de Léonard Vinci. C'est les artistes qui ont marqué leur siècle. Et tant que
les gens ne comprennent pas, les décideurs n'auront pas compris cette valeur et cette richesse extraordinaire qui existe entre nos mains déjà. Parce que le jeune artiste mauricien, il y en a énormément qui font un travail super. Et il est temps qu'on commence à valoriser ces gens-là et les mettre aussi dans l'image. Je suis un vieux peintre qui a bourguingué à travers le monde. Et j'ai vu, dans toute ma carrière artistique, des Mauriciens partout dans le monde. Des gens d'une valeur extraordinaire. Des gens qu'on peut dire, entre nous, Mauriciens, de vrais démerdeurs. C'est pour dire aux décorateurs, cessez d'aller chercher ailleurs ce que vous pouvez trouver ici. Parce qu'il y a ici, il y a des gens avec de grands talents. Nous avons des gens, des écrivains superbes. Ananda Devi, un écrivain extraordinaire. Jean-Marie de Clézio. Hervé Masson qui figure dans le musée d'art moderne à Paris. Mais toute cette valeur-là, est-ce qu'on tourne le dos à tout ça? C'est pas possible. Il arrivera un temps où il faudra qu'on fasse, nous les artistes, que l'on fasse physiquement partie de ce développement. Et moi, je conseille aux jeunes artistes de donner un suivi à leur travail, de façon à ce que l'acheteur puisse avoir un suivi. Parce que personne n'investit chez un artiste si on ne connaît pas ce qu'il a fait là, dans sa vie. Jean-Claude, nous allons maintenant nous rendre dans le lobby de l'hôtel où il y a eu un double vernissage, double exposition de tes toiles. L'exposition qui se déroule à l'hôtel Axana, c'est une exposition de mes derniers tableaux, de mes dernières œuvres. Et je crois que le public mauricien sait que je fais de l'expérimentation et que je présente à chaque fois quelque chose de nouveau pour faire avancer un peu mon travail, pour ne pas rester calé dans une imagerie qui se répète. Donc je fais avancer mon travail et à chaque fois je présente, que ce soit dans la forme, que ce soit dans la couleur, que ce soit dans l'expression, que ce soit dans la vision, quelque chose d'un peu différent. Mais il y a aussi une chose qui entre en jeu. Là où il faut être flexible en tant qu'artiste, c'est qu'aujourd'hui, la demande avec toutes les villas que l'on a à Maurice, les grandes maisons, avec des espaces muraux énormes, c'est le grand format. Et moi, je travaille dans le grand format, précisément, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petits espaces avec un petit bureau ou un petit guéridon où on met un tableau dessus. C'est terminé ou c'est presque terminé. C'est peut-être pas terminé tout à fait, mais c'est presque terminé. Et puis aussi, ça donne l'occasion à celui qui installe dans ses bureaux et qui a des espaces muraux généralement grands, de pouvoir avoir des tableaux qui ont une caractéristique assez grande, par exemple dans les banques ou dans les bureaux, qui puisse avoir une expression assez positive dans son bureau. Alors c'est pour ça que j'ai travaillé spécialement, non il y a assez longtemps que je fais des grands formats, mais cette exposition pour la plupart des grands formats, on va dire 70% de grands formats et 30% de petits formats. On me demande souvent de parler de mon style, mais à chaque fois qu'on me demande de parler de mon style, je dis que je suis multistyle. Je suis multistyle, pourquoi? Parce qu'on n'arrivera jamais à me mettre dans un petit compartiment et de dire ça c'est le compartiment de Jean-Claude Bessac et ça c'est son style. Je refuse. Point à la ligne. Je suis multistyle parce que multistyle veut dire être libre et être libre veut dire de travailler dans un domaine que l'artiste vraiment peut s'exprimer, peut se développer. Bon, maintenant, ce tableau qui est derrière moi, c'est un tableau très important pour moi, puisque c'est un tableau représentatif du Blue Penny. Eh bien, le Blue Penny, comme vous le savez, c'est la première image qu'a mise l'île Maurice sur la map monde. Et je peins très peu les dodos, je préfère peindre le Blue Penny parce que le Blue Penny est beaucoup plus représentatif de l'activité mauricienne.
Je préfère parler de quelque chose de vivant, parce que ça, c'est très vivant, le Blue Penny, et ça continue à vivre, et ça, son prix continue à augmenter. Kalidéscope, un de ces fruits que nous offre gratuitement l'imaginaire. Kalidéscope, c'est la manière de mettre ensemble, comme on fait un bon curry, toutes les épices de l'île, tout ce qui représente l'île, tous les symboles de l'île, dans une même caraille et en sortir quelque chose d'original qui nous appartient à nous. C'est ça, kalidéscope. C'est le fruit que nous offre l'imaginaire gratuitement. Eh bien, ces trois tableaux, ça s'appelle kalidéscope précisément. Ce sont des tableaux où j'ai inclus tout ce qui a un rapport positif en toutes les cultures qui habitent l'île Maurice, et sans oublier ni les uns ni les autres, mais toujours en pensant aux petites gens. Parce que chez moi, vous verrez que c'est généralement celui qui porte les légumes ou celui qui est les deux dames hindoues, la dame hindoue qui parle aux pêcheurs, et puis la dame créole avec son enfant. Ce sont les petites gens de la vie de tous les jours de l'île Maurice que je mets dans ces images afin d'exprimer, comme je viens de dire, que j'offre comme un plat épicé de chez nous. Ce sont des toiles figuratives, abstraites. Non, elles sont pas. Oui, semi-abstraites. Elles sont pas figuratives. Il y a une certaine déformation qui voulue dans mon travail, qui fait que on reconnaît la griffe est toujours là, une griffe un peu figurative. Mais le travail lui-même, c'est l'ouverture vers une perception qui donne libre cours à la déformation des choses, à la déformation des gens. Les montagnes. Mais j'ai également, par exemple, des tableaux qui sont purement des blancs et noirs, comme du travail d'encre de Chine, et puis du travail de pastel. Je crois que le pastel, c'est très colorié. Et puis, il y a des différents médiums dans mon exposition. J'ai commencé la sculpture il y a environ 20 ans, ça m'a fasciné, et j'ai travaillé, et aujourd'hui je fais des sculptures avec qui je travaille avec une fonderie qui les transforme en bronze pour la plupart. D'autres, ce sont des coraux morts, pas des coraux vivants, des coraux morts qu'on attrape sur la plage, qui sont là, qui sont roulés par le sable depuis des années et des années et des années, que je ramasse et que je sculpte ces coraux. Le troisième médium, c'est le papier mâché. Pourquoi le papier mâché? Eh bien, c'est simplement parce que le jeune qui commence la sculpture et qui n'a pas de moyens, le papier mâché ne coûte rien. Et c'est aussi dur et aussi résistant que le bois. Téléspectateurs, nous allons à présent prendre congé de Jean-Claude. Mais avant de nous quitter, nous allons écouter une fois encore ce peintre qui va nous parler de trois de ses tableaux qui illustrent en quelque sorte trois moments, trois âges de son parcours artistique et professionnel. Jean-Claude, parle-nous de ces trois toiles qui te sont chères. Bien oui, voilà. C'est surtout intéressant parce que ce sont des autoportraits à différents stages de ma vie. La première est celle-ci, je devais avoir là 35 ans. Et c'était un moment où je collectionnais les médailles de guerre et les montres
à pochette. Et avec également toujours cette nostalgie de l'île Maurice avec un timbre mauricien. Mais c'est un tableau un peu surréaliste, comme vous voyez. Bien plus tard, j'ai fait ce tableau, dont je vais vous dire les dernières lignes du poème. Maintenant, ce mauvais temps qui persiste et ces oiseaux va-nu-pieds qui ne pensent qu'à voler. Mais ça explique un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et c'est un tableau qui m'est très cher parce que c'était associé l'écriture à la peinture. Et Jean-Claude, le troisième, c'est un véritable rajeunissement par rapport au vieillard que tu étais à 35 ans. Absolument. Cet autoportrait est la représentation la plus juste de moi-même parce qu'elle représente tous les traumas de la vie d'un artiste. Par exemple, j'ai ici un accident à l'âge de 9 ans où j'ai perdu l'œil droit. J'ai ici une denture que j'ai été obligé d'avoir à l'âge de 35 ans. Et puis, il y a toute cette donnée qui représente une espèce de stress invisible, hein, qui toujours pend un peu comme une épée de Damoclès sur la vie d'un artiste. Et c'est ça, c'est la vision la plus vraie. Jean-Claude, tu redeviens enfant. Mais comme disait Picasso, c'est très tard dans ma vie que j'ai appris à peindre comme un enfant. On redevient enfant, bien sûr. D'ailleurs, on n'est jamais en dehors de notre facture spontanée d'enfance. On est toujours là.